Si vous voyez Joyce quelque part, on va vous demander de vous amener. C'est à parler, moi. Antonia nous a quittés pour un moment parce qu'elle devait aller se reposer, mais elle est avec nous présentement. J'ai demandé à Norbert, à Gilles et à Joyce et Agathe et moi, nous sommes là. C'est un peu symbolique parce que comme on fait la fête pour vous, les enfants que nous aimons, je voulais être assurée que vos oncles et vos tantes soient là aussi, qu'ils partagent ce même sentiment. J'ai écrit un petit mot parce que j'ai pas l'habitude des discours. Et aussi, il y a de l'émotion. Vous êtes tellement beaux à regarder et vous êtes venus nombreux. Merci beaucoup. Chers enfants de la famille, nous avons pensé, nous, vos oncles et tantes, de vous offrir cette occasion, ici, à la grande maison, où presque chacun d'entre vous avait des souvenirs, de retrouver, d'échanger, de vous connaître et d'apprendre à aimer les liens familiaux. De reconnaître en eux la force de l'affection, de l'entraide et un élément de bonheur dans votre vie. Soyez à l'écoute de la présence de chacun, sa signification et son apport dans votre vie. C'est la grande journée. Les liens familiaux ne signifient pas nécessairement la constante présence physique. Non, ils peuvent à l'intérieur de vous tisser la certitude que vous êtes aimé, important et unique. Nous voulons vous rappeler combien nous vous aimons. Les enfants de Jean-Yves, les enfants d'Agathe. Allô? Les enfants de Françoise. Les enfants de Jocelyne, Joyce. Allô? Allô? Les enfants d'Antonia. Allô? Les filles de Sylvie. Allô? Le fils de Denis. Allô? Présent. Et le fils de Gilles. Présent. À votre tour, ensemble, nous espérons que vous découvrirez combien vous êtes à votre façon si attachant, si beau. Comme les enfants de la chanson de Vignon qui reviennent adultes, puisés dans vos souvenirs, fait naître. Faites la fierté de vous aimer comme famille. Merci. Et que la fête continue et recommence sans cesse. Merci d'être venu et d'être là. D'être
elle n'a pas l'habitude des discours. Mais êtes-vous d'accord qu'elle parle bien? Oui! Je sais qu'elle, Jürgen, ont reçu et bâti pour chacun de vous. Et encore plus dans le temps de papa, maman et les frères et sœurs, des merveilleux souvenirs. On va vous demander peut-être tantôt si vous en avez quelques-uns à partager. Mais avant, je voudrais exprimer tout l'amour qu'on a mis dans le temps pour vous recevoir depuis au moins une semaine. Je vous dirai pas tout ce que Gilles a fait, tout ce que Marielle a fait, tout ce qu'on a pensé ensemble. Je sais que vous l'imaginez. Est-ce vrai? Oui. Oui. Alors, ceux qui sont là, qui se sont déplacés de très loin, nous apprécions infiniment votre présence. Oui. Oui. Sachez qu'on vous attendait. Maintenant, j'ai pas tracé, c'est-à-dire que je l'ai tracé, mais je l'ai pas avec moi. Un peu le texte que je voulais dire. Dans la famille ici, on était 10 enfants. Maintenant, on est 8. Et c'est pas les moindres parce que c'est très actif, n'est-ce pas? Gilles! Oui! Alors, comme il n'est pas bien physiquement, on veut le remercier d'être présent. Mais je dois aussi remercier tous les conjoints et conjointes qui sont là pour accompagner, pour supporter, pour... Ils font partie de la famille et il faut qu'ils sachent qu'on apprécie qu'ils soient là, qu'ils ne vous aient pas laissé venir tout seul. Merci beaucoup à tout le monde. Avant de permettre un échange pour que vous nous expliquiez, vous viendrez prendre la parole, mon frère peut-être, mes frères vont peut-être avoir envie de le faire. Avant de quitter, moi, je voudrais vous dire qu'est-ce que je sens, comment je vis le cerf-volant aujourd'hui. C'est-à-dire ce symbole, cette chanson qu'on a choisie pour se rallier ensemble, pour moi, c'est l'envol de nos rêves. C'est l'envol de ce qu'on veut vivre de meilleur dans nos vies. Et le côté rouge, c'est le côté actif. Le côté rouge du cerf-volant, c'est le côté où on doit faire des efforts pour être heureux, pour réaliser nos rêves. Le côté blanc, c'est celui de l'acceptation. Très heureuse. Deux personnes qui ont répondu à l'invitation à Marie, à Gatine, à Roger, à Dieu, qui ont participé à Jürgen, à Roger. Il y a eu tellement... Ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais aujourd'hui, ça s'est réalisé. Ma môme chérie, elle nous a donné du beau soleil. Puis mon père, il nous a donné une belle maison encore qu'on peut profiter et qu'on est toutes là. Ça, là, c'est quelque chose, après tant d'années, qu'il faut apprécier et continuer. Et je félicite aussi ceux qui viennent de l'extérieur, mon beau Pierrot que j'aime, il n'y a pas juste lui, il y a John, il y a Thaïlande, il y a notre Sacré-Cœur, il y a notre Saint-Fabien. Mais je voudrais vous remercier et puis j'espère que dans toutes vos souvenirs, n'oubliez jamais
comme mon père et ma mère. Ils en ont fait des parties, hein? Hey, on a fait de l'accordéon, hein? Fait que je vous embrasse. Merci, Jürgen, pour tout ce que tu as fait en frais de souper et de manger. C'était super. Un bel applaudissement pour Jürgen. À moi, à moi. Des fois, on pense, quand on est en amour, qu'on est juste un couple. Papa, maman, les enfants. Mais savez-vous qu'on est tous là parce qu'un jour, deux personnes se sont aimées. Papa et maman se sont aimées et finalement, on est tous là à cause de vous. Alors, n'oubliez pas que vous autres aussi, en couple, en famille, vous aurez à perpétuer la même chose. C'est ce qu'on vous souhaite. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à venir échanger un petit souvenir qu'ils ont vécu la fin de mal? Ou bien encore? Normal, il n'y a pas de sec. Le soleil commence à chauffer pas mal, puis là, il commence à... Non, moi, je veux remercier toutes mes petits neveux, mes petites nièces, vraiment, d'avoir venu en très grand nombre, avec de l'amour. Je veux remercier, Gilles. Ah, d'accord, on est de vie, maudit pleure. C'est pas brillable le travail qu'ils ont fait pour vous recevoir, pour vous donner de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la joie. Merci beaucoup d'avoir venu, on vous aime beaucoup. Prenez soin de vous autres. Vous savez que c'est la dernière fois pour nous autres. Hein? C'est la dernière fois pour nous autres de faire des pas. Et alors, comme ça. Ouais, semaine prochaine. Hein? Semaine prochaine. Semaine prochaine. Semaine prochaine, je ne serai pas ici. En tout cas, merci beaucoup. Ayez du bon temps. Voyons. Les explications, c'est quoi ça, ces dernières fois-là? J'ai manqué mon rire la semaine passée. Dans une trampoline. Ou plaît pas dans une trampoline. En tout cas, c'est là qui va venir dire un petit mot, le micro est libre. Mais merci d'être venu, on vous aime beaucoup. Prenez soin de vous autres, votre santé et tout. C'est ça. Là, il regarde à un moment donné, il sort un anguille. Fait que là, moi je sais pas trop, dis, t'as pêché un serpent, il dit, non, il m'explique, c'est pas ça. Fait que ça reste le même, là, on met l'anguille dans de la glace ou dans un bac qu'il y avait quelconque. Puis, moi j'étais très curieux étant jeune. Fait que un moment donné, on revient à la maison, puis là, Jorgen commence à prêter son anguille. Là, je vois qu'il coupe la tête, il enlève le dedans. Mais là, elle se met à frétiller, fait que moi, je l'ai fait un de ses sauts, là. Il y a quasiment fallu qu'il me console. Mon deuxième souvenir de pêche, j'étais avec Big. On était allé avec Jürgen et ton papa, puis je pense que t'es parti dans un secteur, puis moi, on était dans l'autre. Hey, puis moi, c'est toi, Big. J'avais des vieux Nike Jordan. J'avais des Jordan pour aller pêcher dans la boîte. Ouais. Aussi, fait que on est sur le quai et on pêche. Puis moi, je parle avec Marc. Puis Marc, il essaie de regarder un peu ce qui se passe. Fait que là, il dit, pense ta boule à rentre. Avec quelque chose. Fait que juste tiré, il nous a arraché juste la boule, la joue du poisson. Fait que c'est mes deux seuls souvenirs de pêche. Le chef a décidé de quoi? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou peut-être les conjoints-conjointes, c'est pas Luc, c'est Petit Luc. Petit Luc! J'ai eu un méchant plaisir à regarder les photos. Effectivement, j'étais plus bas que la moyenne. J'étais précisé qu'aujourd'hui, je mesure 5 et 9. La moyenne, c'est beau prix, au moins. Mais comme les femmes disent, c'est pas la grosseur ou la grandeur, c'est comment qu'on vit avec. J'ai pas une grande anecdote très détaillée à vous dire. Un moment très important dans ma vie. Bon, bien sûr, j'ai déjà lancé la Macarena dans les salons à un âge d'insouciance où je l'aurais pas fait en date d'aujourd'hui. Mais mon meilleur souvenir, c'est celui où
comment je pourrais dire ça? On a souvent dit que l'année de votre anniversaire qui fit avec votre date d'anniversaire, comme le 9 ans au 9 août, est l'anniversaire le plus spécial que vous pouvez avoir. Et étrangement, pourquoi? Je sais pas si c'est les astres, la magie ou quoi que ce soit. Je ne peux même pas expliquer le pourquoi. J'ai passé mon 9e anniversaire ici à Saint-Val avec Marielle et plein d'autres personnes dont malheureusement mes souvenirs sont un peu lointains. Et même, je vous dirais, je crois, de tes tantes. Des personnes qui étaient venues, je me rappelle plus, mais que je suis pas sûr de revoir encore une ou deux fois dans ma vie. Et pour une raison inexplicable, c'est une des meilleures fêtes, des meilleurs après-goûts de fêtes que j'ai vraiment eu. C'est celui d'être ici à Saint-Val à mes 9 ans, le 9 août 94. Oui, je suis vraiment comptable, hein? Je suis tout ça. Okay. Donc, c'est à peu près tout. Je vais juste souligner une chose aussi. Avec mon expérience, j'ai organisé beaucoup d'événements. Et il n'y a rien de plus décevant qu'on met beaucoup d'efforts pour un événement qui a de la misère à lever. Là, on est beaucoup réunis ici. Je vous félicite, je vous remercie tous. Oh, en passant, un bon applaudissement à tous pour vous autres. Ça vaut la peine d'être applaudi. Autant l'organisation, mais le remerciement de vous être présenté, c'est le meilleur, je crois, personnellement parlant, sans aucune autre intervention, que c'est le meilleur remerciement qu'on peut offrir aux organisateurs de notre présence ici et du plaisir qu'on peut avoir parce que le party continue. Pas oublier. Salut. Moi, c'est Dominique. Marielle, Dominique, mais pour pas se tromper, parce qu'à chaque fois que quelqu'un du mariage, quand même, ou quelqu'un dit Dominique pour Dominique Racine. Donc, bref, je suis constamment interpellée, c'est vraiment ça. Non, mais je vais vous lancer quelques bribes de souvenirs que j'ai de Saint-Val, parce que, bon, on en a tous, là, mais j'ai eu la chance de passer plusieurs étés ici avec petit Luc. Puis, on parlait de souvenirs de pêche. Moi, j'en ai un très bon avec Luc, puis Organ. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué autant, mais c'était comme la journée parfaite. Il faisait beau. C'était une de mes premières expériences de pêche. La fille de Petit-Bille de la Côte-Nord, oui, c'était comme... Dans la rivière, avec le camion. Non, c'est pas ça. Ah, OK. Non, on est allé à la pauvoirie. Oh. On avait attrapé un poignet. Hein, mais quoi, beaucoup de truites. Forcément, le lac était plein. T'sais. Mais pour moi qui avait comme 10 ans, j'ai comme, wow, je suis vraiment bonne. T'sais. C'était quand même une belle expérience. Et après, super belle journée. On prend plein de truites, première expérience. Après ça, on s'en va à la petite cantine de Saint-Val. On achète une grosse poutine italienne. Jorgen nous avait acheté des barres de chocolat. Et moi, les barres de chocolat, c'était alors mon bon Noël. Là. Avec les oranges, puis non, ça c'était à votre époque. Non, c'est pas ça. Mais des barres de chocolat, la poutine italienne, c'était comme le gros party, une orange croche. Je capotais là-dessus. La journée était complète. Fait que ça, c'est vraiment un de mes bons souvenirs. Luc, j'imagine que tu vas t'en rappeler aussi. Hein? La poutine, oui, c'est ça. C'était la cinq sur le Sunday. Mais sinon, ben, j'en remercie beaucoup Marielle Jorgen pour tous les bons étés, les souvenirs mémorables. Je m'occupais des poules. Ça a été une vocation aussi assez importante dans ma vie. Aujourd'hui, ça me sert plus du tout, mais quand même, j'avais donné des noms à mes poules. Je prenais ça tellement au sérieux. À chaque matin, j'allais les... Au début, j'étais pas sûre, je voulais pas leur faire mal. Tu sais, tu te soulèves, tu te dis, ça va... Ah, ils vont te mettre à se crier ou à picosser, whatever. Mais non, je leur donnais des petits noms. On allait chercher les œufs frais. C'est des souvenirs comme ça qui me reviennent quand je suis ici, quand on allait promener les chiens. Puis je sais pas si le passage existe encore, mais pour ceux qui venaient souvent à la maison, on descendait juste en bas, on traversait le champ, on allait se baigner dans la petite rivière. Ça, c'est, ça reste gravé. Et comme une bonne Beaupré, je vais me mettre à pleurer. Merci mille fois d'être venu. On aimerait passer le message que les gens qui ont organisé, merci mille fois à vous tous, que s'il y a des gens qui aimeraient aider pour la prochaine fois, on aimerait avoir des organisateurs qui feraient ça un peu plus régulièrement, comme à tous les mois. Je l'ai mentionné parce que je suis un des plus vieux cousins, le plus vieux Mario Malcommode, là. Je sais qu'il viendra pas, mais s'il vient, il va dire des niaiseries, ça fait que j'aime autant le dire moi-même. Ah, Mario, je t'aime. Alors, Mario a commencé à collecter des adresses e-mail
pour les cousins et cousines. Alors, pour une prochaine réunion, j'aimerais personnellement, j'en ai pas parlé avec Mario, mais mettre Mario en contact avec ça. Alors, on serait capable de se réunir encore une fois dans un futur, hopefully, proche assez. Marielle et Jürgen et les parents, bien sûr, tout le monde seront invités, mais Marielle a offert gracieusement, bien sûr, de prêter la maison pour des événements comme ça. Alors, je vais simplement passer le message que si vous voulez laisser votre adresse, Mario a commencé à collecter déjà pour mettre tout le monde en communication. On est un peu disparates un peu partout dans la province. Et Jessica, ça va être à ton tour dans une seconde. Oh, elle va se venir! T'es là pour un souvenir, là! Oh mon Dieu, j'en ai tellement de souvenirs! Ben, un peu plus tôt, un peu plus tôt avec Martine! Tes deux préférés, ouais. Vous rappelez-vous de l'arbre à grands pas? Oui, l'arbre à grands pas! C'est quoi? C'est-tu un cerisier? C'est un cerisier, Gilles? C'est un pommier? Mon Dieu Seigneur, on allait avec grands pas. Hey, comment des souvenirs! Savez-vous que je suis sur l'Internet, sur YouTube? Si vous punchez Jean-Pierre Landry, Jürgen Mami, je suis en train de faire une raid de skidoo, je monte puis je redescends. Mais. C'est vrai, merci, Jürgen Mami. C'est vrai, ça. Oui, dans l'école, des tout ça, vous hey, vous rappelez-vous, avec grand-père, on était petit bonhomme, mon Dieu Seigneur, le plus jeune des enfants ici, probablement. On allait avec grand-père l'automne. Puis, c'était-tu à l'automne, au printemps? C'est au printemps. C'est au printemps. Puis grand-père coupait un petit bout de branche sur le poignet. Grand-père coupait un petit bout de branche sur le poignet. Grand-père avait tout le temps un petit couteau, un canif. Il appelait ça un canif dans ses poches. Puis là, il tapait là-dessus, puis là, il coupait ça à peu près 3-4 pouces, puis il faisait des sifflets. Ça, c'est pour les plus vieux. Tu te rappelles de ça? Ben oui, c'est dans ta bouche, t'es dégueulasse! Grand-père, il remplissait sa bave, puis il repouchait sa vie, demandait aux 10 enfants de siffler là-dedans. Je suis un petit peu gênée. Mon œil! C'est vrai, mon cœur, il va vite! T'aimes ça? Ah, mon cœur, ouais! C'est beau. Ben, moi, j'ai eu la chance d'habiter à Saint-Valérien pour une bonne partie de ma jeunesse. J'étais. Tantôt, grand-mère disait que c'était pas la présence physique qui faisait la famille. C'est vrai. Étant enfant unique et étant très loin de mes cousins et cousines, il a fallu que je m'imagine un peu ma famille des fois, parce qu'on est tous loin, comme Jean-Pierre le disait, puis il parle bien lui aussi, il vient d'Alberta quand même. Et on t'aime, puis on est contents que tu sois là! Puis j'ai été heureuse d'avoir été supportée, puis que ma famille était présente pendant mes années ici. J'ai fait ma pré-maternelle de quelque chose ici. Pendant que mon père y étudiait fort, puis Marielle a été un peu ma mère pendant cet instant de ma vie où elle me racontait des histoires des mille et une nuits à tous les jours. Elle a fait partie de mon univers créatif très très tôt. Mon Dieu, que j'ai des beaux souvenirs où elle me caressait les cheveux pour m'endormir. Puis là, mon père arrivait, puis là, j'avais un grand carton où on me disait, pour un peu comme toi, ta loulou avec Laurent, où faut se laver les dents, puis là, j'avais des récompenses que papa puis Marielle organisaient tout ça bien. Puis là, grand-maman me faisait des belles robes où là, je pouvais danser comme une princesse ici. Ou quand il y avait des vrais hivers, puis qu'il y avait 10 pieds de neige, mon père me faisait des vrais forts où là, je pouvais passer en dessous des tunnels, comme un peu dans les vieux films québécois où on peut encore voir. J'ai des beaux souvenirs. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était proche de moi dans ce temps-là. Puis il y a un peu de mon âme qui est ici, dans les murs de cette maison-là, puis dans le sol de ces vallées puis de ces vallons-là. Parce que Marielle, je t'aime. Elle marchait avec moi tous les jours avec Yuri puis les autres chiens qu'on avait avec Jürgen. Puis on chantait toutes les chansons que Marielle avait dans son esprit de partage, puis dans son esprit de vouloir rendre les gens heureux. Puis mon Dieu, que vous m'avez rendue heureuse. Vous êtes des vrais soleils, des étoiles dans ma vie. Vous m'avez changé pour le mieux. Vous avez été des modèles pour moi. Elles deviennent Beaupré. Hey! What's wrong with you guys? It would be your turn. Oh yeah, right. Ma grande-tante, Marielle m'a donné des modèles à suivre de féminité, d'amb-
d'ambition puis de partage. Puis si je pleure aujourd'hui, fuck, je suis vraiment fière. Parce que ce que vous me donnez, puis ça, des fois, on peut se dire que je parle longtemps comme notre famille. Encore! On peut se le dire. C'est, même si on a l'air kitsch, m'en calisse. Parce que je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a, pouvoir fuck, vivre nos émotions, puis c'est partager, puis jamais être tanné. Puis je vous aime. Merci beaucoup, mesdames. Vous m'avez rendu qui je suis. Puis je pense à vous à tous les jours. Bravo! Bravo. Oh. Oh. That was nice, huh? My God, she spoke that. What is it? Les matantes ont demandé des souvenirs. Je pense que des souvenirs, c'est, ça pourrait être un livre. Fait que je vais inviter mes sœurs. Oh yes! Vous comprendrez que tout le monde, les matins sont émotives, les mononges font semblant de pas l'être, à part mon oncle Norbert. Vous savez que notre père, c'était Jean-Yves. Fait que c'est sûr que pleurer, c'est quelque chose qu'on a appris assez jeune. Alors, on va vous offrir une chanson qui a été composée par quelqu'un d'extraordinaire, mais qui a été interprétée par Luce Dufault. Et on ne s'est pas pratiqué deux heures là-dessus, mais je veux que vous sachiez que la dernière fois qu'on a chanté ça, on a chanté ça à notre père. Carole! Laisse-moi aller. On va voir le micro. Il en restait pas long. Et vous allez nous donner le temps de se recueillir. Mais c'est un très beau texte. Il n'y a pas de musique. Ça va foncer. Mais fait ça semblant que vous trouvez qu'on chante bien. Je ne trouve pas. Il y a deux micros, en effet. Ah ouais. Est-ce que c'est beau, il faut vous prendre Tu es toutes les mères mélancoliques, celles qui donnent, celles qui pardonnent, celles qui toujours s'oublient. Prends ton café froid, qui veut, de pourquoi, Maria. Tu es toutes les Louises à la pluie, sous le quartier de lune, sur le quai des brumes, déracinées, troublées, dans ton accent hésitant, les mots se brisent et ne font jamais semblant. Louisa, Louise à la pluie. Amour, amour, étoile léger pour tous ces jours qui sont si lourds. Amour, amour, étoile léger pour ce chagrin entre tes mains. Tu es toutes les Béatrices de tristesse, celle qui court, celle qui s'entoure, qui n'attend plus son retour. Trop de promesses, d'aube qui blesse dans la nuit de tous les jours. Béatrice, Béatrice tristesse, comment trouver les mots qu'il faut pour apaiser son cœur blessé? Amour, amour, fais-toi léger pour tous ces jours qui sont si lourds. Amour, amour, fais-toi léger pour celle qui danse à tes côtés.
entière dans le temps. C'était cher pour un cultivateur d'envoyer son fils là-bas. Et papa a vécu ça très sagement, tellement qu'en revenant ici, les animaux et les champs étaient devenus son patrimoine, son royaume. Oui. Et c'est avec beaucoup d'émotion, ceux qui ne connaissent pas ou qui sont jeunes, on n'a jamais entendu papa chanter cette chanson-là sans pleurer. Ça n'arrivera pas aujourd'hui non plus. Et c'est une chanson qui est magnifiquement belle dans ses paroles pour quelqu'un qui aime la terre et qui est cultivateur. Je peux pas parce que je fonce! Les soleils s'enflamment au premier rayon du printemps. Avec la foi, le cœur dans l'âme, je m'en vais adorer mes chants. Les oiseaux me font une fête dans la libre lâche des cieux. Je suis libre et content. Vive la patrie et vive la vie du cultivateur. La terre est fidèle, elle est bonne et belle pour les gens d'enclos. L'été dans la lumière blonde, j'avais admiré tous les jours. Le pays angoissée, mais vous êtes effrayée au début. Alors, Marielle va s'adresser à vous en tant que propriétaire et hôte de la cérémonie. Oui. Un instant, oui, un petit affaire. Contre-temps? Non, c'est pas un contre-temps.
Blue YouTube. I will be a special YouTube blooper edition. T'avais genre 3 ans. Là. Hey Joyce, embarque ses cuillères. Embarque ses cuillères. C'est des cuillères. C'est comme un tour dans ça. Don't you wish you could do something like that? You know, play the piano or something. I'm not sure if you're going to be able to do that.
travers les rangs des flots. Et dormir bien ce soir. Un bon moment familial de danse, comment on dit que j'ai été détruit par mon live. I want the music for my video from flying. So if you sing, it would be a bit weird. De la vie et on a envie de la mordre avec notre côté rouge.